Hey, salut tout le monde. On se retrouve sur Stranded Deep pour un nouvel épisode. Donc, la dernière fois, on est arrivé sur l'île et on avait dit qu'on allait visiter cette épave. J'ai construit un petit abri pour sauvegarder. Et puis bah, c'est parti. Alors, juste me refaire un petit point. Ça, on va déposer. On va se vider un peu les mains. Hop. J'en suis au niveau bouffe et tout. Faut que je bois un petit coup et tout. Donc on va se manger la coco. On peut pas la boire. On l'a déjà bu. Hop. Mais on a un peu d'eau dans notre gourde. Dans la gourdasse. Voilà. Niveau bouffe, ça ira. Et on va se prendre une petite rasade de flotte. Ok, c'est pas mal. Ah, il me reste deux lances, un couteau et ça. Ok. Donc, on va essayer de se rapprocher un peu de l'épave. Je pense qu'on n'a pas tout vu en fait dedans. Par contre, j'ai pas pris de. J'ai pas pris du tout de quoi respirer sous l'eau. 13 h. Ok. On va faire gaffe au tricourrier. On va voir si on peut pas rentrer. Il y a encore un tricourrier là. Je vais voir si je peux pas rentrer dans l'épave, je vois qu'il y a un trou là. Je sais pas si on peut y grimper. On va voir ça. Allez, on essaye. Si on peut. Wow. Des barils. C'est pas une caisse ça, non? Ah si, c'en est une. On prend. Oh oui, il y a encore une caisse là. Trop cool. Ah, c'est trop stylé. C'est trop classe. J'adore. Plein de caisses. On va se blinder de caisses. Génial. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais. C'est un truc de ouf. C'est un grand cargo, hein. C'est trop. Oh merde, je me suis. Oh là là. Oh putain, c'est le requin. Hey, vous avez vu, il n'y a pas la musique rien, les salopards. Il m'a défoncé. Enfin, je pense. Ah, il m'a pas fait part de vie, en fait. Je saigne pas rien. Ok, je vais retourner à l'intérieur. Normalement, il ne doit pas pouvoir me choper à l'intérieur. Oh merde, il y a le tricourrier. Et puis il y a un poisson scorpion. Ok, go. C'est un peu vicieux ces tricourriers parce qu'ils sont juste devant. Quand je vais sortir, quand j'aurai plus d'air, je vais pas pouvoir trop l'esquiver s'il est devant. En tout cas, mais c'est blindé de caisse, les gars. C'est un truc de fou, j'ai même plus de place. Allez, on sort et on va remettre ça. Il y a même une entrée à gauche. Ok. Allez, on va rentrer. Regardez ce qui se passe sous l'eau quand même. On fait gaffe que Leroy Jenkins ne revienne pas. Je vais l'appeler Leroy, ce requin. Ok. On va poser notre butin ici. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et franchement, pour un rangement, je trouve ça trop, trop top. Ah bah, il y a encore un label. Des jumelles. Encore des jumelles, donc. Des vraies pièces de gyrocoptère. Du cuir, ça c'est cool. Encore du cuir. Et c'est pas mal, hein. Je vais prendre tout ça. Comme ça, je peux mettre le cuir. Ok, là, on peut mettre les pièces. J'ai déjà commencé à organiser, parce que sinon... On va pas s'en sortir. Je sais pas si ça se cumule. Si ça a l'air de se cumuler. Ok. Parfait. Et la belle maker, ça se cumule ou pas? On va voir. Ouais, ça se cumule aussi. Ok, ça marche. Bon, pas mal, je suis content. Putain, pour ramener tout ce bordel, ça va être la misère. Ok, on va retourner à l'intérieur, parce que je crois qu'il y avait une autre caisse de sûr. Et surtout il y a une petite entrée sur la droite, j'aimerais bien voir. Et c'est un truc de fou cette épave. On a bien fait de revenir voir. Hein. Alors la dernière caisse, elle était où? Elle était là.
Enfin, la dernière, je sais pas s'il y en a d'autres. C'est trop bien de pouvoir sprinter aussi maintenant. Dans l'eau. On peut même ouvrir ça. C'est immense. Je peux pas rester longtemps sous l'eau, c'est chiant. Ouais, il y a plein d'entrées. Faut qu'on regarde ça. Allez, on y retourne. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Ah, mais il est mort. C'est celui. Ah, mais c'est. C'est celui que j'ai tué la dernière fois, non? Il est encore en vie. Ouais, c'est celui que j'avais tué la dernière fois. J'étais venu ici, en fait. Ok, ici, j'étais venu, en fait. Mais l'autre côté, non. Peut-être pas. Ça va, il reprend vite de l'air. Hop, je vérifie derrière. Ah ouais, non. J'étais allé d'un côté, mais peut-être pas de l'autre. Est-ce que j'avais vu ça? Non. Enfin, du moins, je sais pas si je l'avais vu, mais je l'avais pas ramassé. Ok. On reprend de l'air. Si j'arrive à me décoincer de là. Je me méfie qu'il n'y ait pas le requin. Ça a l'air d'aller. Par contre, je crois que la nuit commence à tomber déjà. Donc j'ai intérêt à me grouiller. On va vite passer par là. Ouais. Caisse. Ok. Là-bas, il y a quoi? Oh, j'ai plus de place. La merde. Merde, c'est pas là. C'est là. Et... Vite, 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 vite. Ok. Alors, je vais déposer ça là déjà. Pièce de gyrocoptère, des planches, espèce de batterie dégueulasse, ça on va la prendre. La planche aussi, que je veux pas. Paf, la planche. Hop. Merde, je l'ai pris. Comme un con. Voilà. Là. Ça. Et ça là. Il va être 17h, il va commencer à faire nuit, après on va plus rien voir. Donc je vais tracer à l'intérieur pendant qu'il fait encore à peu près jour. Essayer de continuer un peu. On va sprinter un peu. Oh, on commence à plus rien voir du tout. C'est la merde. Donc c'est par là. Ah non, ça c'est. Si, ouais. Caisse. Des pneus. Ah, ok, il y a encore un trou là. On peut passer par là. Ok, on rentre d'un côté, on sort de l'autre. C'est pas plus mal. Ok. Là, il y a quoi? Rien. Ok, mais comment ça fait? On commence à plus rien voir. C'est un peu relou. On était allé voir là ou pas? Je crois qu'on avait vu hein, tout ça. Je refais un tour, voir si j'ai rien oublié. Puis on va rentrer tranquillement de l'autre côté. Je pense qu'on va se faire un petit camp de fortune un peu. On va se faire un petit camp de fortune sur cette île-là. Comme ça, on pourra un petit peu survivre. Et on retournera sur notre île un peu plus tard quand il fera jour. Au pire, je peux dormir hein, pour passer la nuit. Hein. Ok. Ouais, lance-fusée, ça sert à rien. Ok. Bon, en tout cas, ce bateau, il est vraiment intéressant. Il y a vraiment de la masse de trucs. Vraiment cool. Pas grimper facilement par contre. Ah, on reste bien bloqué, mais bon, ça va. Je vais regarder ce qu'il me reste comme place, voir si je peux prendre des caisses. Et ce qu'on va faire, on va essayer de... Je vais me crafter un marteau et tout.
Je pense que je vais essayer d'améliorer un peu mon bateau en fait. Je peux rien mettre. Ah si, je peux mettre ça. Voilà. Super. Allez, on va retourner de l'autre côté. Maintenant qu'il fait nuit là, on voit plus rien. On va nager un peu plus vite. Nager à l'aveugle comme ça, c'est pas très prudent, mais ok. Bon, en tout cas, on a un paquet de bazar à ramener. C'est un truc de fou. Ça, je vais la mettre un peu plus par là. Si jamais il y a une tempête, qu'on se fasse pas avoir. Ok, bon, on va passer la nuit. Quelle heure il est? 18h. Je vais me faire un feu de camp et tout le tralala. On va se faire juste un de quoi survivre ici. On ira pêcher peut-être un poisson. 4 bouts de bois. Ça roule. Donc là, on en a un. J'aimerais bien ramener quelques bûches aussi, moi. Parce qu'à la base, je t'ai venu aussi pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une coco. Ah, ben on avait un tronc là. C'est vrai qu'on avait coupé un arbre ici. Ok, ben, je vais embarquer ça. Le tronc sera parfait pour mon petit feu de camp. Hop. C'est parti. Feu de camp, check. Il me faut de quoi l'allumer. Ça doit être là-dedans. Il me faut encore deux pour l'allumer et le marteau, ça sera quoi? Deux pierres, une corde et un bout de bois. Ok. C'est parti. Ah, c'est un stick encore. Okay. Parfait. Le Kindle, machin. Ça, c'est bon. J'ai un pic pour la viande. Bah écoutez, on va déjà démarrer le feu là. Voilà. Voilà, on va se faire cuire ça tranquillement. Parfait, parfait. Ensuite, le marteau. Marteau, marteau. Donc il me faut deux pierres et une corde. Alors les cordes, on en a. Et les pierres, on va essayer d'en trouver sur la terre. Il doit bien y en avoir qui traîne. On va ramasser un peu ce qui traîne. Ok. Comme ça, après demain matin, on finit de visiter un peu l'île. Voir s'il n'y a pas de petites épaves qui traînent. Mais je pense qu'on est pas mal. Et on ira rentrer à notre base avec tout le bazar. Alors, est-ce qu'il y a des pierres qui traînent? Ah, j'en vois une là-bas, je crois. Ah, ça, c'en est une aussi. J'ai cru que c'était un crabe. Ok, parfait. On a ce qu'il faut. On va pouvoir fabriquer notre petit marteau. Ah ben il y a un yucca aussi. Je suis preneur. Un peu de fibre, ça fait pas de mal. Voilà. Alors il paraît qu'on peut planter les yucca aussi. Hunter du Cobalt m'a dit ça. Faudrait que j'essaye. J'ai pas essayé. Ça peut être intéressant pour avoir plein de fibres. Ah, les cookades. Mais j'ai plus de place. Voilà. Super. Ok. On va boire un peu. Voilà. On en est où?
On est bien, super. Du coup, le marteau. Ah, il me faut la corde. On va crafter une corde. Tant qu'à faire. Ça va me dire que j'ai plus de place après. Voilà. Marteau, marteau, marteau. Super. Ok. Comme ça, avec ça, on va pouvoir agrandir notre bateau. Je crois que j'ai pris des boules. Hein. J'avais pris des boulasses là-dedans, je crois. Ah. Comme ça me fera de la place. Pourquoi je suis pas grimpé? Ah, ça y est. La voile, elle est... Ah non. Non, ça va. Ah ouais, j'ai les boulasses. Ok. Encore des cordes ici. Et les autres boules là. D'accord. Alors. Les bouts de bois. On va les poser. Quoique, non, je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin pour faire mes trucs. Alors. Véhicule. Donc il m'en faut 5 et une corde. Et après, il me faudra 4 trucs comme ça. Ok. Là, j'ai... pas de corde. Bah, je vais recrafter une corde. Avec ça. Voilà. Tant qu'à faire. Autant utiliser nos ressources. Alors. Yep. Parfait. Alors, les boulasses. Là, il y en a 4. Je vais pas prendre la cinquième, évidemment. Ah, là, je peux... Voilà, il nous en reste 3 et 5 là, ok. Donc, on l'a agrandi de 3, donc on va l'agrandir là. Alors, c'est pas celui-là. C'est celui-là que je veux. Voilà, ah déjà, il reprend un peu plus de forme là. Ça me plaît bien. Et là, on met ça par-dessus. Voilà, déjà, il sera un peu plus grand. Est-ce qu'il vaut mieux que je le rallonge? Genre, je le rallonge encore ici. Ou est-ce qu'il vaut mieux que je l'élargisse? Si je mets de chaque côté... En fait, je veux qu'il soit... S'il est plus long, il risque de... d'être moins stable, peut-être, non? Là, il fait 3 de... 3 de long sur 2 de long. 3 de large sur 2 de long. Est-ce que je ferais pas un 4 de large? Là, je suis au milieu. Limite même un 5 de large, quoi. Je le fais très très large pour qu'il soit bien stable. Et pas trop long. Celui-là, si j'en ai... De toute façon, j'ai qu'un seul truc. Ou alors, je fais une vers l'avant. Voir... Non, une à l'arrière, je sais pas. Puis j'avais dit que je referais un bourrado là. Parce que ça, c'est naze ça. Bon. Sinon, je vais le laisser comme ça pour l'instant, je pense. Hein. Ça fera l'affaire. Ok. Ça roule. Bon. Quelle heure? Allez, il est temps de dormir. On va faire un dodo. On éteint ça. Niveau bouffe, on est ok. Allez, c'est parti. On dort. Et on se réveille demain matin. Voilà. 8h37, on a un peu soif, un peu faim. Et bah ça tombe bien, on va aller rentrer à la base. C'est parti. Alors, on va bien organiser tout ça. On va prendre les petits trucs qui traînent. Ça, je crois qu'on a de la place dans un des box. Voilà, parfait. Organisons le reste. J'avais dit que je finirais de visiter, mais je pense qu'on a à peu près tout vu. À mon avis, il n'y a plus grand-chose à voir. Je vais revérifier les petites épaves aux alentours. Survécu 16 jours. Plutôt pas mal. Ok, donc là, il n'y a rien ici. Dans celle-là. On est allé voir, je crois. Je vérifie quand même.
Avant de partir, ce serait bête de rater quelque chose. N'avait rien, c'est... Oula. Wow. Ah non, j'ai cru que c'était un requin marteau, mais non. Ok. Bon. Allez. On va essayer d'esquiver le requin. Je sais pas où il est. Allez, go. Ah bah, il y a du yucca là. On va ramasser ça. Et après, on se casse. Ça sert à rien de rester dans les parages. Surtout, je commence à avoir faim et tout, donc il est temps de rentrer. On va peut-être couper un petit arbre avant de partir, et puis après, on y va, quoi. Allez, c'est parti. On range tout le bazar. Ouais, tout ça, on laisse là. Hein. Alors, là, j'ai de la place. On va mettre ça dedans. Les deux caisses du bas, elles sont vides. Donc on va couper des arbres. Et on va mettre des troncs à l'intérieur. On va faire ça. Comme ça, ça me fera un peu de bois. Ça va être pas mal, ça. Oula. Ah merde, j'ai pété ma hache. Fallait s'en douter un peu. On va refaire une hache. Deux comme ça, un stick et machin, ok. C'est parti. Et lâche. Allez hop, terminé. On repart. Hache toute neuve. C'est parti. Et ça, on va le... Je sais pas si on peut le mettre dans une caisse ou pas, ça. C'est quand même intéressant, en fait. Ah, on peut. Excellent. Ok, donc il me reste encore une place, trois places et une place. Donc cinq places en tout. Et bah coupons. Ah hein. Bah je commence à être bien déshydraté, hein. Ça va pas le faire. Voilà, allez ça fera l'affaire. Le petit stick qui traînait. Let's go. Hop. Hop là. Le marteau. Il me reste une place là. On va mettre les lances. Voilà. Parfait. On laisse le reste ici. On va faire une sauvegarde. Et c'est parti. On va installer tout ça là-dessus. Alors du coup, je me suis bien vidé. Autant prendre déjà des caisses sur moi. Je peux en avoir combien sur moi? Je peux avoir tout ça sur moi. Donc il n'y en a plus que deux à installer. Alors deux, sauf si je peux mettre aussi le couteau. Ouais, là je peux mettre encore la gourde par exemple. Voilà. Là c'est des tissus, il y en a 4. Il y en a 3. Je crois que les pièces on peut les mettre quelque part. Ça aussi normalement. Bon c'est pas grave, on va faire comme ça. Ok. Donc j'ai 2 caisses en plus à installer donc. On va commencer par celle-là. On va essayer de les placer à peu près. Je sais pas s'il faut qu'elle vaut mieux qu'elle soit au sol peut-être. Hein, plutôt que les unes sur les autres. Je pense que c'est mieux. Paf. Ça, on la ramène près de celle-là. Voilà. On va essayer d'équilibrer les charges. Je vais en poser une ici. Ok, plutôt pas mal. Ok.
celle-là là. Si j'y arrive. On voit que ça fait bouger le bateau quand même. Bon, au pire, je la mets comme ça. Et j'en mets encore une. Ok. Parfait. Je sais pas s'il y a des matériaux qui font que le bateau est plus ou moins lourd. Vous voyez, je sais pas si le fait d'utiliser des pneus par exemple, bah, ça flotte mieux ou moins bien que si j'utilise de la tôle. Enfin, des boules, je veux dire. Ou des bidons. Je sais pas. Je sais pas trop. Ok, je vais pouvoir prendre mes deux autres normalement. Et puis voilà, c'est parti. On a plein de bazar. Donc, notre île est là-bas. Donc, le bateau, on le retourne. J'allais dire dans le bon sens, mais... I need to cool down. Waouh, waouh, waouh. SPF, je sais pas ce que c'est. Suntrock. Ok, alors là, je suis pas bien. I need to find water. Ouais, je sais, je sais. On y va. On s'en va, mon petit. C'est parti. Allez, courage. On rentre. En espérant que ça tienne. Ça a l'air un peu compliqué à tourner, mais ça a l'air de tenir. Allez, on espère que ça va aller. Oh là là. Ça bouge un peu dans tous les sens, mais ça a l'air d'aller. Ça va. Allez, on trace avant qu'il y ait de la tempête ou quoi que ce soit. Et un petit peu de houle, et ça devrait le faire. Bon, heureusement que l'île est pas trop loin. Ok, allez, on va vite rentrer, essayer de boire un coup, parce que là je suis sous un soleil de plomb, hein. Je pense que ma vie elle va descendre à vue d'œil. Ce serait bien d'avoir une petite jauge pour savoir où il en est au niveau du soleil aussi, parce que nous on se rend pas compte si le gars il a chaud ou pas quoi. Je me suis échoué comme une merde. Ok, allez, on va aller boire tout de suite un coup. Voilà, j'ai la dalle et tout. Déshydratation. Allez, à boire. Ouais. Ah. Ah. Bien. On est où? Ah, ça va mieux. Voilà. On va pouvoir manger un truc. Est-ce qu'on a un oiseau là? Non. Donc là, on n'a plus rien à bouffer de toute façon. Ok, alors je vais poser des caisses. Oh là, mais il n'y a pas assez de place. Là-dedans. Il va falloir que, je reconstruise des fondations ici, je pense. Et je remets des caisses de l'autre côté. Je vais faire ça. Pour l'instant, je vais les poser là. Ah, mais il n'y a plus le bug. Ah, c'est cool. Il n'y a plus le bug. Ah, c'est cool. Ça, c'est bien, ça. Merde. Ok, pour ça... je dois avoir... Coco pipi... Arme. Merde, c'est pas ça. Arme. Hop, je prends ça. On va aller pêcher un petit poisson. Ou deux. De façon à me faire à manger. Il fait déjà nuit, hein. Putain, 17h, vache. Ça prend du temps, quand même. Hein. Les trajets et tout. Mon piège à poisson, il a marché ou pas? Fish trap. Ah, collect small fish. Ah, j'ai trimpé un petit poisson. On va peut-être pas s'étouffer avec ça, mais au moins j'ai attrapé quelque chose.
étoiles de mer. Ok. On voit rien quoi. Dès que la nuit tombe, c'est ouf. Hein. En même temps, c'est réaliste hein, parce que c'est vrai que je me suis déjà baigné dans ces moments-là. Ça fait exactement cette couleur. Archer, je prends. Discus, je prends. La tortue, j'ai pas envie de la tuer, mais. Sardine, pourquoi pas. Hein. Discus. Le mec, il est bon quand même. Hein. Ça avait l'air d'être un homme d'affaires, mais le mec, one shot direct les poissons, sans problème. Ok, bon, ça devrait suffire pour se faire à bouffer. Pendant que le soleil se couche au loin. Magnifique. Bon. Hop. Ouais, je sais, je sais. Regarde tout ce que t'as pêché, mon petit. Regarde si c'est pas beau tout ça. La pêche a été bonne. Hop. Tac. Voilà. Ah, on n'a pas d'oiseau apparemment. Ok. Alors on va se mettre carrément dessus. Les petites viandes. On va les poser tranquillement. Les dispatcher dessus. C'est bon, tout est là. Hop. Et on allume. Nickel. Notre petite bouffe va cuire tranquille. On va aller décharger quelques caisses en attendant. Et on est très content. Ah. Ça va peut-être me monter ma cuisine aussi. Hein. Je sais pas si la bouffe est meilleure du coup, si elle donne plus de bouffe, si ça cuit plus vite ou je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche. Alors, mon radeau est là. Mais du coup, en fait, je pouvais ramasser le pipi. Hein. Putain, j'avais même pas capté. Enfin, j'avais capté sans capter, en fait. Hop. Et voilà. On a tout ramené au bercail. J'ai aimé notre petite cabane là-haut, là. Quand elle sera terminée, ça va être vachement cool. C'est bon, on a encore des plantes dessus. Ok. Remarquez, je vais peut-être mettre quelques caisses par là quand même. Hein. Je vais en monter là-haut. Hein. Oula. Voilà. Hop. Ouais, c'est pas trop mal. Non. Bon, c'était pas trop mal. Comme d'hab, je suis une grosse quiche pour ranger ces caisses de merde. Ok. Ah bah c'est bien, c'est cuit. Super. On va quand même l'éteindre. En tout cas, j'ai pas encore trouvé de lampe. Il veut pas l'éteindre. Ah ça y est. J'ai pas trouvé de petites lampes qui restent allumées tout le temps là. Une sorte de lampe solaire. Ok, il en bouffe de la viande. Ok, et on va boire un petit coup. Et ce sera pas mal. Voilà. Super. Alors, que je refasse un petit point sur ce qu'on a. Moi, j'aimerais bien sortir les rondins.
Faudra que je range tout ça de façon par rapport à mes caisses. Ah, j'aimerais bien reprendre la gourde aussi. Comme ça, je vais la remplir. Je trouve que c'est pas mal de la remplir, celle-là. Hop. Voilà, elle est pleine. Et j'aimerais bien sortir les... Ça, je vais les couper. J'aimerais bien sortir les palmes. Du coup, elles doivent être par là, je pense. Les palmes... Ah, voilà. Palmes et rondins. Je vais remettre une palme par là. Paf. On va la couper. Comme ça, je vais recharger un peu mon truc. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais la mettre là-bas aussi. Parfait. J'en avais une autre, je crois. Et mes rondins. Tac. Voilà. Super. On adore. On va mettre les rondins là-haut parce qu'on en aura besoin. Pour notre petite cabane. Est-ce qu'on a d'autres rondins? Ouais. On va prendre aussi les bouts de bois. Ah oui, il reste une palme aussi. Je vais choper le marteau en bois. Peut-être que je vais commencer avec le marteau en bois en fait. Et garder un petit peu mon beau marteau parce qu'il commence à se fatiguer un peu. Exploration, armes divers, pièces radeau. Normalement, ça va dans exploration, ça. Ouais, mais j'ai plus de place. Pièces moteur, bâche, tissu, bois, métal, lampe. Où est-ce que j'ai mis mon marteau? Je l'avais laissé là-haut. Ah, je sais plus ce que j'en ai fait. Faudra que je regarde l'autre épisode. Je me souviens plus ce que j'en ai fait. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour des nouvelles vidéos. Et puis, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut tout le monde!